bientôt disponible sur DVD. He was the greatest cop New York ever had. But now, he makes his own law. And no one will stop him. D'après moi, c'est pas le téléphone. C'est le téléphone. Ben non, je sais que c'est le téléphone, mais c'est pas le téléphone. Allô? C'est pas le téléphone! Son nom de famille, c'est téléphone! Comme vous le savez sûrement, il y a beaucoup d'humoristes québécois qui réussissent à percer en France. Puis évidemment, nous autres aussi, les appendices, on aimerait ça pogner là-bas, fait qu'on a décidé de faire une adaptation pour le marché français. Voici donc en primeur la version pour la France. Hé, hey, du con, ce n'est pas le téléphone. Mais t'es ouf ou quoi? Il y a la sonnette, du coup, c'est le téléphone. Mais je sais bien que c'est le téléphone. Mais c'est mon pote, Paul Téléphone, qui m'appelle. Mais pourquoi tu dis que ce n'est pas le téléphone? Mais parce que c'est le gag, Trouduc. Mais qu'est-ce que je fous ici, bordel? Je pige rien, un truc de merde. Quel bon banquet! Oh, j'adore le château du roi Gildor. Je crois même qu'il a invité le roi Patrick ainsi que le roi Jasmin. Oh, regarde, c'est le marquis d'Élise! Oh, et le duc de la Rochelière! Et la comtesse Louise des Châtelets avec le page Guilla et le page Gaston. Oh, diantre! Pourquoi le roi Gildor invite-t-il toujours des membres du clergé? L'abbé Patrick, l'évêque Turcotte... Oh, Dieu! Le chevalier Jacques! Je crois qu'il a un œil sur moi, je ne veux pas qu'il me parle. Allons-nous-en, appelle l'écuyer! Patrice! Bonjour! Venez chez Mongrain électroménager. Ici, on en donne toujours plus que le client en demande. Je prendrais ces micro-ondes. Parfait! On vous donne aussi ce frigidaire, ce deuxième micro-ondes, puis même mes culottes! Chez Mongrain électroménager, les clients ont toujours raison. Voici votre nouvelle laveuse. Merci, madame. Non, non, je suis un homme. Je pense plus que vous êtes une femme. Vous avez raison! Venez vite chez Mongrain électroménager. Corbeil électroménager a réussi à avoir Yves Corbeil comme porte-parole. Nous, on n'a pas réussi à voir Guy Mongrain, mais on a quand même cette magnifique caricature de Guy Nantel à Rollerblades. Chez Mongrain électroménager, on trouve de tout, sauf tout ce qui n'est pas un électroménager. Mongrain électroménager, situé au 230 Avenue du Lièvre, à Sainte-Janine, en face de l'épicerie. Dépose ton arme!
lentement. Oh oui, le plus lentement possible. C'est très bien. Oh, c'est du beau, ça. C'est beau, ça. C'est parfait, ça. OK. Là, je vais te passer les menottes. Je serais pas obligée de le faire, vu que tu coopères, mais j'ai comme vraiment le goût de te voir avec des menottes. Ouais, mais si tu veux, ça peut être moi là, qui t'épasse les menottes, là. Une ou l'autre. Regarde, c'est moi qui ai proposé les menottes en premier, là. Fait que écrase, OK? Ah, ben, vous pouvez le faire les deux ensemble, peut-être? Non. Non, mais tu vois pas que t'es en train de tout gâcher, là? Ah, c'est moi qui gâche tout! Hey, c'est toi qui se mêle tout le temps de mes relations! On dirait que tu veux pas que je sois heureuse! Non, c'était tellement stiff, tu savais même pas quoi faire avec un gars de même! Quoi, tu pas, ça fait longtemps que t'es de même! Arrête, non, c'est beau, je reprends d'elle. Est-ce que je pourrais renvoyer mon argent ou... Là, demande à elle, là. Doit déjà avoir un compte conjoint. Attention! Quand il travaille, il ne faut pas toucher au chien guide touristique. Ici, à votre droite, vous pouvez observer le château Frontenac. Hey, je t'ai pas dit ça, je me suis acheté un chat. Puis il est vraiment cute, là, mon beau petit Misty Gris. Ah, c'est le fun. Moi, je l'aime tellement, mon caramel, là. Il est vraiment beau, là. Il est brun pâle, puis il a des longs poils. Ah ouais, t'as un chat, toi. Mais non, j'ai jamais parlé de chat, j'ai dit que j'aimais mon caramel. Yeah! Pourquoi il y a plein de poils? Ben là, c'est parce que ça fait un mois qu'il traîne dans mes poches, là. C'est normal qu'il soit plein de poils, là. J'ai toujours plein de poils dans les poches. Personnellement, j'appelle ça mon poil de poche. Le ministère de la Santé publique a annoncé ce matin l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi. Un reportage de Denis Balloune. Il sera dorénavant interdit de fuser dans les lieux publics. La nouvelle loi anti-PET vise à réduire le nombre de fuseurs et à protéger les non-fuseurs des émanations de méthane. Cette nouvelle loi suscite diverses réactions. Moi, je trouve ça génial. Au restaurant, il n'y aura plus de section fuseur. Non, mais des fois, ça puait partout dans le resto. Puis on n'arrivait plus à s'entendre parler à cause des bruits, tu sais. Ça m'a donné, c'est beau, là, ça va faire. T'sais. Mais voyons donc, là, c'est ridicule. T'sais. Moi, l'hiver, il va falloir que j'aille me geler le cul dehors pour aller fuser à 9 mètres des édifices. Là. Regarde, je vois pas pourquoi le monde capote avec ça. Là. Dans les années 60, les profs, ils fusaient dans les classes, puis les médecins, ils fusaient dans les hôpitaux. C'est le fun parce qu'on va pouvoir sortir d'un bar puis rentrer chez nous sans que notre linge sente la merde pendant une semaine. Là. Moi, j'ai le pogné le cancer du péteux. Puis pourtant, j'ai jamais fusé de ma vie. C'est à cause des odeurs secondaires, ça! Le gouvernement a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation. Des mises en garde seront affichées directement sur les paquets de bines, comme celle-ci. Les gaz causés par les bines peuvent nuire à vos chances de rencontrer l'amour. 75 % des grands fuseurs sont célibataires. Le projet de loi anti-PET, un projet qui fera beaucoup de bruit. C'était Denis Balloune à Montréal. Allô, je dérange pas longtemps, juste vous dire de vous abonner en cliquant sur le petit piton rouge, puis cliquez aussi sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, vous allez savoir quand on sort les affaires, parce que même nous autres, on sait même pas quand ça sort. Fait que, puis aussi, si vous voulez nous encourager, allez voir notre site web, lesappendices.tv. On a des casquettes, des t-shirts, des hoodies, toutes sortes d'affaires. On a même un chandail de loup comme dans la chanson. Chandail de loup! Bisous, câlin, bye bye! T'as une moustache de lait. Moi, mon lait, il me fait des vraies moustaches. Le lait, source de moustaches. Bon matin, mon lapin. Mon lapin? Je m'attendais vraiment pas à ça de toi, là. Ça sort comme ça tout bonnement ce matin, mon lapin. Tu me niaises parce que j'ai des grandes oreilles? Mais voyons, elles sont bien correctes tes oreilles, bébé. Bébé? Tu m'infantilises pour me rabaisser, c'est ça? Mais non, mon cœur. OK, parce que c'est moi ton cœur. Tu trouves pas que tu m'en demandes pas mal? En plus de laver tes bobettes, faut que je pompe ton sang pour assurer ta circulation sanguine. Mais non, mais je suis capable de faire ça tout seul, mon trésor. Mais t'es donc bien méchant, matin, mon trésor. C'est quoi, tu veux que je sois enfermé à clé dans un coffre sur une île pleine de pirates? C'est ça? Mais ma puce. Ma puce. Ma puce. Juste parce que j'infecte le chat en suçant son sang à l'occasion, ça fait pas de moi une puce. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire, Minou. Bon, à ce temps, c'est moi le chat. Tu me niaises parce que je crache des boules de poils.
Je m'excuse, là. Je voulais pas t'insulter. Avec tout ça, je vais être en retard. Faut que j'aille travailler. Bonne journée, mon rayon de soleil. Bonne journée. Chauffeur, suivez cette mode! OK. Les gens critiquent souvent les humoristes de la relève parce qu'ils sont plus engagés, parce que leurs sujets sont futiles. En réponse à ça, nous, les appendices, on a décidé d'écrire une chanson sur la politique qui prouve qu'on a de la substance dans nos propos. Politique, 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 politique. Une salade avec un potage de carottes et maïs. Ah, juste des légumes? Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que nous autres, on mange plus ça, des légumes. Non, on est totalement carnivores. Moi, faire souffrir des légumes pour se nourrir, je trouve ça immoral. Ben voyons donc, des légumes, ça souffre pas, là! Parce qu'ils ont pas de système nerveux! Le corps humain avec les appendices. Un poil incarné. Un poil réincarné. Avant, j'étais un pharaon. Vous mangez plus de légumes, mais mangez-vous du tofu? Non, c'est bien trop cruel, la chasse au tofu. Le tofu d'Amérique du Nord est une race en voie d'extinction. Voyez ces braconniers chasser le goût du tofu pour le laisser sans saveur dans la nature. Nous sommes de retour à la compétition internationale de l'homme le plus faible du monde. Passons à la dernière épreuve de la compétition, les bûches. Voici Adorjan Arpad de Hongrie qui a offert une performance exceptionnelle un peu plus tôt à l'épreuve des pots de cornichons. Excellent départ de Arpad qui a beaucoup de difficultés à traîner sa bûche qui pourtant ne pèse qu'un kilo. Il est beaucoup moins fort que l'année passée, sa diète à base de vapeur d'eau semble avoir porté fruit. Et maintenant qu'il a déposé la bûche, il doit lever la hache et fendre la bûche en deux. Il réunit toutes ses forces. Wow! Quel coup faible! Arpad n'a même pas réussi à égratigner la bûche. Deuxième essai, et rate complètement la cible! Quelle performance incroyable d'Adorjan Arpad! Ah, on a vraiment affaire ici à un athlète de haut niveau. C'est maintenant au tour du Danois Lars Nielsen qui en est à sa première compétition. Il connaît un parcours sans faute, il s'est même évanoui deux fois en se déplaçant entre les épreuves.
Incroyable, Nielsen est tellement pas fort qu'il doit faire rouler la bûche pour la déplacer. Ce qui est déjà tout un défi pour un homme qui a eu de la difficulté à ouvrir sa porte d'auto en arrivant à la compétition. Oh! Oh! Nielsen n'est même pas capable de soulever sa hache, c'est du jamais vu! C'est historique! Yeah! Et c'est un score parfait! Lars Nielsen est le nouvel homme le plus faible du monde! Qu'est-ce que tu m'as fait? Ce serait pas long? OK, tu peux enlever ton bandeau. Ta mère est morte! Tu t'en attendais pas, hein? Non, vraiment pas, là. Les sandwichs! Les sandwichs! Les sandwichs! Les sandwichs! Les sandwichs! On rejoint maintenant Gilles Gillet pour sa chronique « C'est ma opinion ». Bonjour, Gilles. Salut! Aujourd'hui, j'aimerais ça parler de ces maudits insignifiants qui servent à rien dans notre société, là, les PS. Vous voulez dire les BS, les gens sur le bien-être social? Non, les PS, les maudites notes en bas des lettres, post-scriptum, post-scriptum, ça se prend pour Einstein parce que c'est en latin, mais dans le fond, ils savent bien qu'ils valent pas de la bouette. S'ils sont aussi importants que ça, là, pourquoi ils sont pas insérés dans la lettre comme le reste du texte, hein? Ben non, ils sont obligés de se cacher en bas de la feuille comme des coquerelles. Puis en plus, ça se multiplie, ce monde-là. PS, PPS, PPPS, ça finit plus. Moi, là, quand je reçois une lettre puis que je lis « Veuillez agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs » puis qu'il y a une signature après, ça veut dire c'est fini, OK? Ça me tente plus de lire passer ce bout-là, c'est-tu clair? Merci, Gilles. Ne manquez pas après la pause la quatrième partie de notre reportage sur les foulards. Les affaires. Mais regarde comme la lune est claire. Mais j'imagine que toi, là, ça t'impressionne pas vraiment, hein, ce genre d'affaires-là. Regarde, faut que je te dise quelque chose, là. Je suis pas vraiment la personne que je t'ai dit que j'étais. Je suis pas Neil Armstrong, le premier homme à avoir marché sur la Lune. Mais comment ça? Toutes tes histoires de voyage dans l'espace puis de fusée, là? J'ai inventé ça à mesure. C'était pour t'impressionner. OK, mais t'es qui d'abord? Mais là, je suis personne d'extraordinaire, là. Je suis juste Lady Gaga, là, la chanteuse controversée. Voyons. Je veux pas sortir avec un menteur, moi. J'aime vraiment pas tes chansons, fait que je pense que c'est mieux qu'on se voit plus, OK? Oh, voilà, comment? Non, non. Excuse me. Are you Lady Gaga? Yes, it's me. Can you sign me an autograph, please? Yes, of course. Thank you. Poker. Poker, poker. Poker, poker. Poker, poker. Poker, poker. Poker, poker. Les déterminants, c'est important. Il y a une grande différence entre avoir les cheveux aux fesses et avoir des cheveux aux fesses. Arc, elle pue ta crème. Je penserais pas, non. Ça a la fleur d'oranger, ça sent très bon. Non, non, ça sent le poulailler. T'es malade, elle m'a coûté 12 piastres, ta crème-là. Non, non, je t'ai interdit de t'en mettre quand je suis là. Tu capotes, là. La prochaine fois que t'en mets, là, tu rentres pas dans le char. Mais oui, t'es bien bête. T'es la seule personne qui aime pas cette odeur-là. Ouais, ben ça m'étonnerait. Toi, tu trouves-tu que ça sent bon? Ah, ça sent mauvais, ça. Toi, tu trouves-tu que ça pue? Ah! Ça, ça sent bon. Puis mes mains? Mes mains sentent bonnes. Non. Tu vois, t'es-tu seule à trouver que ça sent pas bon? Bol de macaroni, coupe de macaroni, eat the macaroni. It's better with a cheese. It's time to do the macaroni dance. Dance on the table, dance on the street, dance on the house, and dance on the space. Everybody loves the macaroni. Macaroni.
always wanted to be a macaroni. Round like a sexual pasta. It is the cheese of my heart. It is the love of my heart. I want to kiss you, 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 kiss you. I want to make a baby of you. I want to be inside of you. And we will fly to the space of love. Space of love. Everybody loves a macaroni. Macaroni love. Macaroni love. Macaroni love. It's again time to do the macaroni dance. Dance in the TV, dance in the bottle, dance in the fire, dance in myself. Everybody loves a macaroni but me. You can kiss your ass goodbye. Because. 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 Ah, diantre, pourquoi le roi Gildor invite-t-il toujours des membres? Une leçon de diction pour tous les gens à la maison. Can you sign me an autograph, please? Yes, of course. What is your name? Vieux Saint-Saëns. Fat Bouchon. Times New Roman. La belle flûte.